Tu sais que tu es l'intelligence qui dirige le travail des organes de ton corps, que cette gouvernance soit consciente ou non, que chaque cellule de chaque organe est en réalité un centre névralgique de cette intelligence directrice et que lorsqu'elle se retire, les cellules se désagrègent, ton corps matériel meurt et il n'existe plus en tant qu'organisme vivant. Qui est ce toi qui dirige et gouverne les activités de tes organes et donc de chacune des cellules qui les composent Tu ne peux pas dire que c'est toi, l'être humain ou la personne qui fait tout cela, car de toi-même tu es incapable de gouverner consciemment l'action de presque tous les organes de ton corps. Ce doit donc être ce je suis impersonnel en toi qui est toi et pourtant n'est pas toi. Écoute. Toi, le je suis de toi, tu es par rapport à moi ce que la conscience cellulaire de ton corps est par rapport à ta conscience je suis. Tu es pour ainsi dire une cellule de mon corps, et ta conscience, étant une de mes cellules, est pour moi ce qu'est pour toi, la conscience d'une cellule de ton corps. Par conséquent, il s'ensuit nécessairement que la conscience de la cellule de ton corps est ma conscience, tout comme ta conscience est ma conscience, et donc que nous sommes nécessairement un en conscience, la cellule, toi et moi.